au micro de Philippe. Eh oui, on a le bonheur d'avoir Johnny Wilkinson qui est champion de France. Ça y est, Johnny, et le doublé Coupe d'Europe, championnat de France. Qu'est-ce que vous dites après cet événement? Ah, c'est impossible. Tout ce que je peux faire, c'est de remercier toute l'équipe, toute la groupe, tous les entraîneurs, tout le public, tout le public en France, l'équipe de Castres, les autres équipes dans le top 14, parce que pour être honnête, ça a été une expérience incroyable. Je ne peux pas trouver les bons mots pour l'expliquer, c'est juste un plaisir. Je vais continuer à regarder d'un peu plus loin qu'est-ce qui se passe dans le top 14, que ça m'a changé la vie. Est-ce que quand on est Johnny Wilkinson et qu'on arrête sa carrière ce soir sur un titre, on est extrêmement gai ou on est aussi extrêmement triste? Je ne sais pas, c'est pour moi pareil. J'ai passé la moitié de ma vie, toute ma vie adulte avec un ballon dans le monde de rugby professionnel. Ça va être un grand choc après le rugby, je sais, mais avec l'aide de toute l'équipe ici, c'est sûr que je vais avoir des bons souvenirs. On a l'impression que Toulon, encore une fois, écrasé, a étouffé son adversaire alors que Castres a beaucoup essayé. Oui, c'est sûr, c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière. Contre Castres, on sait que c'est une équipe magnifique, capable de gagner contre tout le monde. On a vu ça plusieurs fois. Alors pour nous, c'était important juste de garder notre calme, discipline et de continuer à travailler ensemble. C'est exactement ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on peut dire. Est-ce que vous avez senti le soutien de vos partenaires et de vos adversaires qui sont venus vous saluer à la fin de ce match, et notamment le God Save the Queen qui a retenti ici au Stade de France? Je ne peux pas remercier assez tout ce qu'ils m'ont donné, le public ici en France, spécialement là à Toulon. Mais tout ce que je peux faire, c'est de dire merci pour le souvenir. On est une grande équipe. Hein. Ce n'est pas juste les joueurs sur le terrain ou dans le vestiaire, ou les entraîneurs, c'est tout le public aussi. On est une région, une grande équipe, et ça va rester comme ça. C'est sûrement à la hauteur de ce que vous aussi vous avez donné. Merci Johnny. Merci beaucoup.